Le sucre. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Appelez-moi quand vous voudrez le mettre au four. Oui, maman. Papa va être scotché par notre gâteau spécial chocolat triple dose. Ouais, ça va lui faire une super surprise pour son anniv, pas vrai, Grippy? Tiens, moi je casse le chocolat et toi tu pèses la farine. J'ai une meilleure idée. Je casse le chocolat et tu pèses la farine. Le gâteau d'anniversaire. Oui, il lui prépare un bon gros gâteau au chocolat pour l'occasion. Flipper? Flipper? Mais où il est? Oh, désolé, c'est notre poisson rouge. Il a fugué. Si j'ai regardé dans le lavabo? Non! Il faut que je te laisse, on se rappelle. Je vais pétrir ta tête comme de la pâte, la liège! Ouais, et moi je vais te reprendre la face aux œufs en neige, microbe! Alors, ce gâteau, est-ce que... Oh! Cette fois, ça va barder pour vous. C'est elle qui a commencé. Et je vous préviens, vous êtes bon pour au moins 3 semaines sans télé. Oh non, maman, pas ça! Et Tom fera le ménage pendant 6 mois. Un an? Oh, mais pas la télé! Oh si, et maintenant papa va rentrer et nous n'avons même pas de gâteau. On pourrait lui en acheter un avec notre argent de poche avant qu'il arrive. Oh là là, attention l'alien, FBI, fausse bonne idée. Votre argent de poche. Tu l'as peut-être oublié, mais ton solde est négatif, jeune fille. Quant à toi, Tom, tu as tellement bien caché ta tirelire que tu ne sais même plus où elle est. On va fêter l'anniversaire de papa sans gâteau. C'est trop déprimant. Bon, d'accord, allez-y. Maman, on pourra prendre des bonbons avec la monnaie? Elle a pas dit non, donc c'est qu'elle est d'accord. Bonjour, madame. Bonjour, les enfants. On voudrait un gros gâteau, s'il vous plaît. Et avec ce qui reste, on prendra des bonbons. Combien il coûte, celui-là? Celui-là est à 19, ma chérie. Maman nous a donné 20. Ce qui nous fait de la monnaie pour des bonbons. Je vais prendre des fraises pour avoir la langue toute rose et des caramels qui collent aux dents. Youpi, les rouleaux de réglisse, j'adore! Oula, vous avez pris beaucoup trop de bonbons. Tant pis, on n'a qu'à enlever les réglisses. Ah non, et pas les réglisses, c'est trop bon. Pourquoi on virerait pas les fraises à la place? Ah non, hein, on touche pas aux fraises, je les adore. On va laisser tomber les bananes plutôt. Il faut vous décider, les enfants, il y a du monde qui attend. Voilà! C'est bon, on a fini! Laisse-moi faire, microbe! Au fait, tu sais quel âge il a, papa, toi? Non. Et toi, microbe, qui sais? Si je le savais, je t'aurais pas demandé. Pourquoi je voudrais savoir si tu le sais alors que je le sais? Pour que je sache que tu sais sans que tu saches que moi je sais et... Non, parce qu'alors, tu saurais que je... On n'a qu'à parier! Et celui qui a bon, l'autre lui donne 4 bonbecs. D'accord, vas-y, tu commences.
Mon papa chéri adoré que j'aime et que j'adore, bon anniversaire! Joyeux anniversaire, mon petit papa. Oh, mes petits poussins, ça fait plaisir un accueil pareil. Au fait, papa, t'as quel âge aujourd'hui? Quel âge j'ai? Eh bien, j'ai 36 ans et toutes mes dents! Gagné! J'ai gagné! Et je t'avais dit qu'il avait pas connu Jules César. Yeah. Allez, tu me dois 4 bons becs, microbe. Zut, pourtant j'en étais sûre. Si tu m'avais dit Napoléon, j'aurais eu un doute. 36 ans, c'est pas vrai, je suis un fossile. Mais non mon cœur, tu n'es pas si vieux, détends-toi. Ne bouge pas chérie, je vais aller te faire une petite tisane spéciale bien-être et sérénité. Tu vas voir, ça va te remonter. Une tisane, oh. Comme pour les papis. Flipper ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? On va lui faire souffler les bougies et lui donner ses cadeaux. Oh. Allez, allez, le gâteau, vite ! Ça va lui remonter le moral. Ah, le gâteau, oui. C'est que... Pendant qu'on était dans la boulangerie, un type est entré avec un pistolet. Il avait une cagoule sur le visage et il a crié... Oh les mains! Les gâteaux ou la vie! Pitié! Oh, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît! Oh, il y a des enfants dans le magasin! Merci pour les gâteaux et bonne journée! Je crois bien que je vais me régaler! C'était un hold-up incroyable! Et le voleur a tout pris, tous les gâteaux! C'est pour ça que du coup, on n'a rapporté que des bonbons. Je rêve. Bon, on en reparlera plus tard. Mais en attendant, donnez-moi ces bonbons. Ben... C'est-à-dire que... On a tout mangé. Remarque, c'est sûrement mieux comme ça. Parce que papa, à son âge, vaut mieux qu'il évite les bonbons. Il risquerait de perdre les dents qui lui restent. 36 ans. Oh... Très bien, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Vous avez intérêt à coopérer ou c'est jusqu'à Noël que je vous prive de télé. Joyeux anniversaire, papa chéri. Bon anniversaire, mon chéri. J'adore les vieux croulants comme toi. Allez, papa, à trois, tu souffles. Un, deux... Oh, c'est très beau. Oh, c'est magnifique. Merci, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire. Mais c'est pas fini. À notre très très jeune papa qu'on aime et qu'on adore, nous t'offrons une belle soirée en amoureux avec maman pendant que nous on s'occupera de toutes les corvées. Alors ça, c'est vraiment un très beau cadeau. Pour toi, on va débarrasser la table et ranger la cuisine. Et on va aussi faire la vaisselle. Et en plus, on va changer la litière de Grippy. Bon anniversaire! Ça me va droit au cœur, les enfants. Merci, mes petits. Nous, on est petits, on fait de notre mieux pour papa et bonjour la récompense. Je croyais que l'esclavage avait été aboli. Oh, Nina, regarde ça. Hein? C'est la mienne qui a tenu le plus longtemps. Et c'est moi qui ai fait la plus grosse. Qu'est-ce que c'est? Ouais! Papa, papa! Papa, maman! Youpi! Chut! Surprise! Pour ton anniversaire, papa! Soirée mousse! Mmh. 36 ans, c'est encore jeune, hein? Mais oui, mon chéri. Allez, dors.